Lieutenant Vachaldo au rapport pour rendre état de cette première mission d'exploration en vue de coloniser la planète PS-101PB. La première des trois équipes a entrepris la descente vers la planète accompagnée de drones et de ressources en quantité abondante. Ce rapport servira à faire un état des lieux du résultat catastrophique de cette mission et à prendre toutes les mesures afin d'y remédier. L'atterrissage s'était passé sans accroc sur cette nouvelle planète. Nous étions donc sur PS-101PB, une planète de classe D qui, comme tout le monde le sait, est une planète désertique de taille moyenne avec un taux de CO2 important. Son atmosphère dense la protège partiellement des météorites peu nombreuses mais qui restent néanmoins très dangereuses. Également, les panneaux solaires et les éoliennes peuvent tourner à plein régime mais les tempêtes de sable y sont très fréquentes. Sans perdre un seul instant, le responsable de cette mission, le capitaine Keating, entreprit la construction d'un sas qui allait permettre aux colons de pouvoir pénétrer dans les futures infrastructures. Comme sa formation et son carnet de bord le stipulaient, il lança également la construction d'un générateur d'oxygène car la surface de la planète en était dépourvue. Les premiers soucis vinrent au moment d'alimenter ses premiers bâtiments en électricité. Le capitaine Keating avait oublié une partie de sa formation, notamment celle qui consiste à relier des infrastructures entre elles via des couloirs permettant la circulation des hommes et des machines ou des câbles de connexion afin d'acheminer eau et électricité. Et c'est là que j'aurais dû être plus intelligent et plus malin. J'aurais dû me douter qu'il allait se passer quelque chose d'affreux. Mais bon, le capitaine Keating avait quand même des capacités et une expérience hors du commun. Je ne pouvais pas douter de lui malgré tout ce que je voyais, mais il devait paniquer. Je pense que le souci venait de là, il a paniqué car il était le pionnier d'une nouvelle mission, le pionnier d'une mission qui allait peut-être permettre à l'humanité de survivre dans un futur plus ou moins proche. Et une épiphanie arriva à l'esprit du capitaine Keating. Comme s'il se souvenait des enseignements acquis lors de sa formation, il fit bâtir un couloir entre le sas et le générateur d'oxygène. Bien qu'un moment hésitant à lancer la construction d'un réfectoire, il reprit ses esprits et se décida à essayer de placer le plan d'un panneau solaire qui allait permettre à la station d'être alimentée en électricité. Une fois celle-ci placée, il reprit enfin ses esprits. Il lança également la construction d'une pompe à eau pour permettre au générateur d'oxygène de la synthétiser et ainsi produire cet air frais dont auraient besoin les colons. Seul ombre au tableau, il ne semblait pas se souvenir d'un fait scientifique avéré. Le soleil se couche tôt ou tard. Les constructions avançaient lentement mais sûrement. Le capitaine Keating commençait maintenant à se rappeler des rudiments de tout ce qu'il avait appris et construisait des connexions entre chaque bâtiment. La pompe à eau était opérationnelle. Le panneau solaire également. La nuit allait pas tarder à tomber et le capitaine Keating ne se souciait pas de ce qui allait se passer. Et là, le drame commença. Alors que les colons tentaient de rentrer par le sas, ils s'aperçurent qu'une malformation de celui-ci les empêchait d'accéder à l'intérieur. L'électricité se coupait et se relançait, tandis que le capitaine Keating essayait d'activer la structure. Il y parvint enfin et deux personnes purent y rentrer. Deux personnes. Les dernières qui allaient sans doute y rester. J'aurais dû mettre fin à tout ça. Oui, j'aurais dû. Mais bon, à ce moment-là, comme je l'ai déjà dit, le capitaine Keating était pour moi un professionnel. Un professionnel expérimenté. Je ne pouvais pas savoir qu'il allait commettre autant d'erreurs qui allaient mener à la perte de toutes ces personnes. Et alors qu'il eut enfin la jugeote de construire une éolienne, les premiers. Quatre sont tombés. Quatre. Et puis tous moururent. Une rumeur qui vient de se propager à l'ensemble du vaisseau ferait état des derniers mots d'une des biologistes qui se serait retournée vers le capitaine Keating avant de mourir afin de lui dire « Capitaine, oh, mon capitaine !» Mais rassurez-vous, nous avons appris de nos erreurs. Et une deuxième expédition partira demain pour un autre site de la planète. Une deuxième expédition qui ne commettra pas toutes ces erreurs et qui prouvera la viabilité du projet Survival. Qui prouvera à tous que nous pouvons vivre sur un caillou aride et pérenniser l'espèce humaine pour des siècles et des siècles.